Mesdames et messieurs, TV la caille Haïti, comme encore une fois, nous comptons rejoindre nous pour nous continuer à informer sur l'actualité, sur ce qui a passé dans le pays. Actualité politique, culturelle, musique, sport, n'a porté tout un bagaille pour vous sur Chanel ça et n'a pas demandé un grand service. Eh ben, c'est abonné avec Chanel là pour d'avoir assisté vidéo ça. Une façon pour pas rater prochaine vidéo n'a bien pour nous porter pour vous. Sans perdre du temps, on nous entre directement dans la cause. Eh ben, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, encore une fois, un autre colombien, eh ben, monsieur Lagué tout causé et monsieur décidé là. Ben pour le mettre si là yo ben nous voulons parler de quelques haïtiens dans pays à gauche à droite qui dans pouvoir qui ont même participé dans assassinat ça et ben colombien lui-même ben monsieur prêt pour livrer au by FBI et ben nèg ça là dans pays a commencé malade bien mal depuis après nouvelle ça fin et ben éparpillé sur toutes réseaux sociaux ak dans divers journal américain mesdames et messieurs et ben genne qui pral nan courir oui genne qui pral nan courir parce que genne dans moment n'a parlé là faut que nous dou ces bot toilettes là même nèg yo chita et faut que nous dou pa gen assez papier et ben pour nèg yo nettoyer et ben bout en bas tellement nèg yo a diarrhé dans moment n'a parlé là parce que genne n'importe là yo pas dans pouvoir ça encore ben nèg yo pral en bacode parce que yo participé dans assassinat président et ben Jovenel Moïse mesdames et messieurs nous pral inviter au gain détail nous pral inviter au connait comment bagay yo et pas oublier ou sous TV la caille haiti.com stand de Lucas mesdames et messieurs dans micro nous en temps de commencer et n'a tout de faire et donc gain petit bagay qui faut pas dormir hier soir ou voulez parler matin. Bon, soit parler de dossier assassinat 58e président pays d'Haïti par des soldats d'un autre pays, la Colombie, qui passaient par Saint-Domingue pour venir tuer le président nous, le 7 juillet 2021. Et c'est pratiquement un acte de guerre qui posait contre la République d'Haïti. Définitivement. C'est des soldats étrangers qui viennent assassiner le président Lacaille. Donc, ou même comme groupe d'État, et ancien député de la République, ou gen tan wè gravité à qui commet contre la souveraineté et la dignité de la République d'Haïti. Ouais. Donc, assassinat ça a couvert 4 juridictions. Et première juridiction, qui c'est juridiction prioritaire là, c'est la République d'Haïti. Et gen 3 autres juridictions qui impliquaient dans le crime, les États-Unis, la Colombie et la République dominicaine. Donc, je dis à la Fonti Palais, sous 26 mois, assassinat président, et gain peut-être une petite action qui posait dans une juridiction publique et dans le pays, qui c'est les États-Unis, côté soldat, capitaine, qui impliqué dans le crime, German Rivera. Nous c'est son petit requin. Et nous, depuis des mois, il y a un bon petit requin. On tire rien. Mais requin moyen pour requin blanc qui implique dans tous les présidents. Pour aucun chef fort pour arriver sur yo. Donc nous-mêmes, comme nous sommes peuple qui habite chez Bac Marathon, et nous comptons mais sur le long terme. Et nous avons mis sur dossier dans le pays d'Haïti. Nous avons besoin de tourner trop là-dedans. Parce que lui, clair que le DCPJ a commissaire Bedford Claude de fin fait travail qu'il a fait en un mois de juillet. Et dans le mois d'août 2021, nous tenons une bonne route pour nous marrer bien vite tout assassin qui touille le président. Parce que déjà, le CPJ a fait un rapport 900 pages. Le commissaire Bedford Claude a fait une enquête dans le Digicel, puis a voué un réquisitoire supplétif dans le cabinet d'instruction qui montre clairement le premier ministre qui l'a impliqué dans tout le président. Le 9 juillet, le commissaire Bedford Claude a fait un mandat pour. Et Dimitri Vob, Reginald Boulos, Jean-Marie Vob, Jerry Tardieu, pour implication dans le président. Et les nègres et la justice a besoin de vite dans la direction. Les qui impliqué, oligarque avec politiciens qui impliqué dans le président. Qui ça a fait? Il y a le avocat Sogenère, avocat Dimitri Vob, d'être au dossier, il mettait le ministre de la justice. Donc les assassins ont venu prendre contrôle du ministère de la justice. Je nomme 6 malandrins dans CSPJ, 8 malandrins dans le cours de cassation, et puis il y a un paquet de juges d'instruction que le président pouvoir judiciaire, René Sylvestre, s'est refusé de nommer pour corruption. Ariel nomme tout. Et c'est au même que
y aurait mettre dossier judiciaire sensible pays a. Donc je dis après m'a parlé avec vous là et il en fait bilan 26 mois un gros parti dans la justice pays d'Haïti avec pouvoir exécutif là sous contrôle tout élément qui participait dans tout le président et vous savez où un juge unité juge réquisé a Walter ou Saint-Voltaire qui a fait théâtre avec nous depuis 14 mois. Ouais. Parce que un honnête auditeur ou même capitaine de là. Juge réquisé a invité Ariel Henry comme témoin. OK? Ouais, nous pas comme de parler de ça encore. Le juge réquisé a fini invité Ariel Henry ou même cap suivre matin débat, gain deux trois émissions parce que bon dis nous monsieur. Faut me saluer courage nous parce que gain des radios qui pas qu'à discuter de deux dossiers dans pays là. Ou pas qu'à discuter des assassinats de Jovenel Moïse ou pas qu'à discuter des interventions militaires étrangères qui pouvoir chercher. Parce que gain des propriétaires de médias, yo fait trois menaces sur yo. Yo menace à gang, les ça pas marcher, yo fait juge d'instruction voyer mandat bidon baou et comme troisième menace yo menace pour mettre sous les sanctions internationales ou médias pas capable. Il y a des nèg qui fait bac. Il y a des nèg qui continue à boumer. Nèg qui fait bac yo pas capable. Et puis une quatrième catégorie qui d'accord pour yo allier au ligue qui tout le président yo touché dans mayo. Donc moi même pour me venir dans Amabia, gros parti dans pouvoir judiciaire venir aujourd'hui et qui dans même mon qui tue président et ça son pas existé depuis avant même que yo tout le président. Nous songer comme un juge de cour de cassation. Depuis qu'on constitution amendée a très bien, ou qu'on est depuis finalement des constitutions, juge pas qu'un président provisoire encore. Ou son juge là avec André, avocat Diabla qui t'a fait discours comme quoi juge la président. Ou son juge Jean-Yves Kelda Brésil a fait pour tout le président le 7 février. Ou est comme un juge Wendel Kok impliqué dans tout le président le 7 juillet. Donc je dis à l'éclair que, au niveau d'Haïti, bon, et bagaille a bloqué parce que mon qui tue le président, il y a bien contrôle pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Donc tout ça qu'a fait là. C'était au niveau des États-Unis. Oui, mais mon principe moi parce que vous connaissez les maps courir et c'est sous jugement aujourd'hui hein, particulièrement où t'as fait où a fait intervention. Bon, sous jugement aujourd'hui et bon Jean Bagay, ok. Ça ici nous gagnons presque 250 ans d'abouma blanc. Nous connaissons mauvais blanc, nous connaissons bon blanc. Nous connaissons un blanc assassin, nous connaissons un blanc qui nous de bien. C'est blanc assassin qui est président de la Caïne. Parce que, l'homme garde ça qu'a fait aujourd'hui, vous comprenez. Montez sur YouTube, gardez conversation téléphonique entre inspecteur général de la police, là, Marie-Louise Gauthier, qui t'a parlé avec le commandant de sécurité président, Dimitri Ra. Dans conversation ça, Marie-Louise Gauthier dit, lui recevoir l'autre département d'État pour la grand président. Il faut qu'on monte sur YouTube dans des conversations. Comme de parler, répond lui-même tout le coin et contacté. Qui est-ce qui t'a contacté dans le département d'État? Jusqu'à présent, ça va clair. Nous pouvons nous montrer, non? Jusqu'à présent, ça va clair. Eh bien, c'est ça, ma tout. 26 mois après, il faut qu'on marre les gens qui ont l'autre sur le président dans le département d'État. On garde un deuxième bagage, DP. Parce que vous-même, son parlementaire, vous comptez, ça veut dire enquête parlementaire. Ancien ambassadrice américaine Bordeaux-Prince Clan Palmela White, là devant Congrès américain, ils sont compte YouTube, commission affaires étrangères Congrès américain. Elle sous compte YouTube, regardez ça, elle te dit 4 mois avant tout le président en mars 2021. Ancien ambassadrice dit consacré, faut que vous mettez le président de côté, faut que vous remplacez par un premier ministre. Ligue tangé non, il va cabailler là devant tout le monde. Et la justice faut qu'on dise rien. On va le plus loin encore. On l'autre député pareil aux États-Unis. Dans le mois de mars 2023 qui se passe là, c'est son député qui est dans le comité intelligence qui est le Chris Stewart. Dans l'audition publique, il s'est dit, il y a un bagage illégal pour les États-Unis, il y a un président à l'étranger. Il a même qu'à parler, non? C'est le Congrès maintenant. Il y a un bagage illégal pour un groupe mercenaire pour voir tous les présidents à l'étranger. Il y a un bagage illégal pour y avoir 3 200 000 $ pour tout le président. Et puis, M. Fini, M. c'est exactement ça, FBI fait. Nous connaissons qu'Archangel Pretel qui a arrêté, nous avons travaillé pour FBI depuis 2017 New York. Qui l'autre monde dans l'institution, ça a impliqué dans tout le président. Et pour mener un combat, ça, DP, ou pas qu'à faire blanc, ou pas qu'à faire oligarque, ou pas qu'à faire mourir. Parce que blanc n'a pas qu'à venir entrer la caille, oligarque n'a pas qu'à entrer la caille, pour tuer un président la caille comme ça, et puis pour nous garder.
Et puis pour nèg yo a fait pression sur radio pour pas qu'à discuter d'enquête sur assassinat président. Donc je me dis à Dominique, yo gen question pour yo répondre tout depuis assassinat président. Et m'a bon deux exemples pour montrer que Dominique yo gen. Wap tout fini. Ben on allez non, on allez, wap tout fini. On a marché dit avec moi IDP. Non, wap tout conclu. Et moi même qu'a conclu pour non papa ou qu'a conclu. Et candidat à la présidence Saint-Domingue là, Gonzalo Castillo. C'est monsieur qui a avion qui mène un soldat qui vient tuer le président de la Caïno. Monsieur pour comprendre une explication, non? Deuxième bagaille la DP. Soldat colombien, Antonio Palacios, qui participait dans tous les présidents qui sauvaient. Premier côté là, les Saint-Domingue, c'est de Saint-Domingue là, le Jamaïque. Okay. Dominique, vous pouvez dire qui est-ce qui est de nom à Jamaïque. Mais vous impliquez dans tous les présidents, il faut que vous détails. Et puis pour finir avec la Colombie. Et le président Duque a dit que soldat Colombie qui vient tuer le président Lacaille, nous, il était connu depuis qu'on va déplacer pour tuer le président Lacaille. Le président Duque vient découvrir que soldat Colombie, à travers l'intelligence militaire Colombie et direction nationale intelligence Colombie, mais il était groupe WhatsApp côté où tu as fait échange avant et pendant le tuer le président. Pour ça, président qui l'a, qui reconnaît que effectivement Gustavo Petro, lui reconnaît que Colombie participait dans tous les présidents de la Caïno. Pour qui ça, 26 mois après, il n'y a pas de nous sac sous groupe WhatsApp là, pour nous, à qui est soldat Colombie, autant contact en Colombie, aux États-Unis, en République Dominicaine et en Haïti. Donc, je veux dire, 26 mois après, Goumen pour joindre assassin président Jovenel Moïse, il est incontournable, pour une raison bien simple. Si nous ne pas joindre assassin président, pas gain aucun président qui nous va choisir dans l'élection qui a dirigé le pays pour nous. Et m'a fini pour me donner un dernier mot à au cher avocat Théophin. Théophin, tu as quitté tout le président Jovenel Moïse, tu as fait un bagage tout le madame. On bagage très simple qu'on doit faire. Écrit Digicel. Digicel, mais qui vous te recevoir menace là? Mais à qui les te fait menace là sous? Écrit de CPJ. Dis mais qui est-ce qui te fait menace sous Théophin? Mais qui date que tu as fait un relo? Yo ka regarder dans Digicel pour exactement qui est-ce qui te relo. Mais question monte dans la radio. Même si nous te fait pour le président Jovenel Moïse. Nous te doué tout le matin Moïse depuis le 7 juillet. Nous pas tout le matin. Ou pas quoi y'a menacé maintenant vraiment et Stanley? Non mon cher, ça a été après deux semaines. Et tel fort, nous sommes en 2023. La technologie pas de menti. C'est au fin qu'on va dire que c'est le DCPJ, mais qui joue, yo te relèl, mais à qui l'est que yo te relèl, DCPJ va regarder dans Digicel, Digicel a bali exactement qui numéro qui te relèl. Mais ça, je suis. C'est à qui te touye président Jovenel là, ou pas pouvoir l'utiliser pour venir touye Martin Moïse. Mais ça, je suis. Donc, à la prochaine. Merci. En tout cas, merci Stanley. Et puis, Louko, qu'est-ce que l'attendez, parce que bon, don bagay, même analyse li, première déclaration qu'on te fait, vous te fait émission, l'autre a parlé dans la radio, première déclaration qu'on fait, l'autre a commencé à analyser tout ce qui a où tu dit comme ça, monsieur Gansayo, c'est le mal absolu. Ouais, donc, depuis la première déclaration qu'on fait, il montrait clairement que Louko va pas faire gang. Donc, je veux dire, j'ai fort qu'à fait là, c'est on attaque à la liberté d'expression, son attaque à la liberté d'opinion, ou pas qu'à criminaliser la liberté d'opinion. Donc, je veux dire, même qu'on est que le commissaire gouvernement qui là sont hommes de loi. Ils connaissent que ça n'a pas eu aucune violation. Et ni constitution, ni décret non FIA, ni code d'instruction criminelle là. Bon Dieu béni, nous, monsieur, vous mettez pour justice pour président, fait carré. Et faut que nous marions Dimitri Vob, faut que nous marions Réginal Boulon, ça tout oligarque qui touille le président, ensemble à la politique, c'est criminel qui dénonce crime ça contre le pays. À la prochaine. Comme ça. À la prochaine. Et bien là. Il prend oublie blague. C'est sur tête mon il a gagné sur oublie quand même. Il prend oublie blague quand même. Nous pas vu avec question. Alors telle fois.